Et bonjour à toutes et à tous, ici Sparash, vous savez sur Let's Play France, un petit stream ninja sur Styx, Master of Shadows. Alors, ma partie, c'était celle-ci. Donc la dernière fois, on avait commencé la mission 6, l'embrasement. Donc pour rappel, il faut qu'on aille voler des documents pour notre nouvel ami Elf pour prouver la corruption qui règne dans cette forteresse. Et pour trouver ces documents, il nous faut aller dans l'ambassade. Inutile de vous dire que l'ambassade s'est gardée. Donc j'avais réussi à arriver jusqu'ici. Sauf que j'étais sur cet escalier avec ce grand gaillard qui garde et qui ne bouge pas. Du coup, il faut que je trouve un moyen de passer. Parce que je rappelle que j'aimerais le faire sans déclencher d'alerte. Du coup, il n'y a vraiment pas de prise ici. Je fais quoi comme stuff? Ça, j'en sers pas. Ça, j'aurais du coup pas m'en servir. Ça, c'est bon. Et j'ai qu'une seule seule dent, moi. Ouais. Il y a quoi par là? Ok, j'ai tourné en rond pendant 20 minutes la dernière fois alors que je pouvais juste passer comme ça. Normal! Alors, maintenant que je suis ici. Toc. Est-ce que je peux déjà chourer? Yeah. Alors, la question c'est, est-ce que je peux activer ça? Ouais. Je l'avais pas vu, littéralement. Ça a l'air d'être parti. Ouais, il est parti. Oh, it's getting hard to breathe here. All this amber in the air. I'm sure it's eating my lungs. Don't be stupid. Stop worrying. Bon. La porte elle est là-bas. Je peux tenter un truc. C'est risqué, mais. Non, bah non. À moins que je le suive. Non, que j'arrive à le suivre. À la passe, Styx. Bon bah raté. Oh, c'était pas du tout prévu qu'il soit là, lui. Mais je pensais pas qu'il serait là. Qu'il y aurait un gars là. Ouais, donc je peux pas me être invisible avec le peu d'ombre que j'ai. Obligé de faire ça du coup. On va la boire. Voilà. Oh, it's getting hard to breathe here. All this amber in the air. I'm sure it's eating my lungs. Don't be stupid, stop worrying. Okay. A monster. What? Eh? J'ai pas compris qui m'a vu. Par contre, vu comment je suis mort, j'ai dû me faire chausser par les arbalétriers. Toc. On va faire un truc, on va ouvrir la porte, on va sauvegarder à côté de la porte. Bien dans le coin. Voilà.
Alors, lui. Oh, it's getting hard to breathe here. All this amber in the air. I'm sure it's eating my lungs. Don't be stupid. Stop worrying. Je suis quand même juste à côté de ce sac, c'est génial. Je me pose là. Vu que j'ai une amélioration qui fait que quand je suis invisible et que je ne bouge pas, je ne consomme plus d'ambre. C'est parfait. Ok. Donc, oui, il y a des gars là-haut. Ah oui, il y a un gars là. Comme ça au moins, normalement je suis dans l'ombre, il me voit pas. Ok. Donc lui il bouge pas en fait. Que je gâte le bon timing. On a guetté le bon timing. Faut que le chevalier là-bas soit à demi-tour et que lui. Ouais, je suis là et ça m'avance à quoi d'être là? C'est pas une porte que je peux passer, ça. J'éteins ça pour la forme. Hey, you couldn't advance me some rations, could you? Somebody said something to me? Hmm? No, I didn't hear anything. Come on, just one week's pay. I'll pay it back next month. I still can't hear a thing. Oula, 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 oula. Ok, c'est barré. Ok, alors go. Par contre, me dis pas que tu reviens après. Ok, donc ouvrir la porte va le réveiller, lui. Donc ouvrir la porte, le réveil. Ah, faut que je reprenne. Ah, comme ça, il m'a pas vu.
Allez, descends. C'est bien. Non, c'est un... C'est pas une torche, c'est un chandelier. Par contre, c'est là où il faut impérativement que je l'éteigne. Je ne se garde ici, ça m'évitera de me retaper tout ça. Voilà, là je suis hors de danger. Ah, il y a une fiole d'ambre. Même pour la chourer, c'est un peu compliqué. Ou alors, il faudrait que je sois invisible quand il passe là-haut et que je. Ouais, galère. Bon, alors du coup. Ah! T'es pas prévu, toi? Bon, l'autre là-haut, il s'est calmé, et celui-là aussi, c'est pas. Je tente d'y aller invisible. Je me mets invisible et j'ouvre la porte. C'est la meilleure solution. Ah, puis il y a une fiole d'ambre là-bas, quoi. Qu'est-ce qu'il fait comme ronde, lui? D'accord, il fait juste ça, ok. D'accord. Je peux tenter... Prendre ça. Et me planquer sous le bureau. Que je vois s'être assez passe, donc c'est bien. Du coup, je vais sauvegarder ici, parce que là, je suis sûr que personne ne va me voir. Je peux guetter ses pas pour quand il repart. Nickel. Je peux pas juste croire que c'est la porte qui a dysfonctionné, non? Tu... Bon, t'as juste eu un mauvais rêve et... Non? Oh mon dieu, il y a un orc. Bah oui, j'ai filé. Juste derrière toi. Il remonte la garde ou il s'endort? Il a monté la garde. Prise là, mais je sais pas à quoi elle sert. Tu vas rester planté là, toi, ou... Ah, il y a encore un livre de compte là. Il est où? Là-bas. Donc toi, ton trip, c'est de rester en plein milieu de l'allée et d'attendre.
Ah, il y a un trou là. Ah, c'est l'autre côté qu'il faudrait que j'aille. J'ai peut-être pas testé. Voilà, on passe, peut-être essayer comme ça. Non! Je pense pas pouvoir passer derrière l'orque sans le réveiller. Et! Ok. En fait, je pense pas, je peux pas me mettre sur la statue en fait, mais bon. Du coup. Je descends là. Nickel. Oh oh. Y'a que toi ici. Ah ben non, il y a quand même beaucoup de monde. On va se mettre là. Ça va être chaud d'y aller. Sans se faire repérer. A priori, il y a de la bouffe là. Donc je... ça et je me cache. L'ambassade est juste en dessous. C'est stressant quand on y va vraiment. Infiltration, c'est stressant. Donc du coup il y a lui, j'ai vu son pattern. L'autre là-bas il fait quoi? Ok. Sachant qu'il faut pas que je me fasse repérer par le chevalier, qu'il est parti manger. Ok, ils s'en foutent. Pour l'instant. Ah non. Ça, pour lui, il croit que c'est juste une intoxication alimentaire. C'est bon. Je vais me faire une sauve. Ouais, non. Ah, j'ai pas vu lui. Ah ouais, mais je les avais pas vus, eux. Ah, c'est beaucoup plus tendu maintenant. Remarque, je peux embarquer que deux fioles d'ambre. Hop. Le problème, c'est que l'ambassade, en fait, elle est en dessous. Et il y a un peu trop de gardes en haut.
Hop là. Du coup, sauvegarde. Celle-ci. Voilà. Alors, je vois que j'ai vu qu'il y a une prise là, donc je vais essayer de la prendre. Celle-ci ou l'autre que je viens de voir. Je dois attendre pour ça que le chevalier meure. Que du coup, lui, il sera barré. C'est plus facile de gérer un gars que deux. C'est que leur, leur pattern est en décalé à ceux-là, il est pas synchro. C'est que lui il reste retourné mais pas lui. Lui il se retourne vers moi. Là il est en train de manger. C'est l'autre il est mort. Je leur refais la sauvegarde. Comme ça, moi, j'aurais pas à attendre que le chevalier meure si je me refais choper. Voilà, l'autre y part. Il ne semble pas trop bien. Je dois veiller à ce que je mets de côté. Ça peut être de ça. J'ai pas vu les autres prises. Il y en a qu'une. C'est quoi cette arnaque? Ah si, c'est pour choper ça là-haut. Ouais, mais je vais me faire repérer en étant là-haut. Ah, ou alors je peux monter. Il y a un lustre là. Peut-être que je vais pouvoir monter dessus. Faut tenter. Ah, les réactions des gardes sont différentes entre chaque sauvegarde. Et lui il fait ça. Allez, ça devrait passer pour un accident. J'ai pas trop le choix. Et comme je suis là dans le noir, il devrait pas me voir. C'était rien du tout. Il y a juste deux de vos potes qui sont morts en bas, mais c'est pas grave. Oh, la batterie, il est bugué. Donc lui, c'est bon. L'autre, je sais pas où il est, et lui, c'est bon. Yes! Secteur 2 terminé. The documents. I'm almost there.
Ok, c'est encore sur des missions ou ok. Du coup, on va faire une sauvegarde vu qu'on est dans le secteur 3. On en fait 2. Ok. Ensuite. Je vais donner les documents à l'ambassadeur. Ça va, là, le secteur est plutôt linéaire. Du coup, ça cache un truc. Ça cache un truc. Waouh, il y a du monde. Ah oui, je me souviens de ce passage. Dis-moi que tu fais le tour. Oui. Il y a vachement du monde. Nickel. Wow. J'ai joué avec le feu. Non. Hop. Non. Pas ça que je voulais faire. Je vais prendre ça. J'ai quoi, moi, une petite secondaire? C'est juste la relique. Bon, ça va alors. Y'a pas de garde ici? Ça me semble bizarre, mais bon, admettons. Yeah. Hop là, on y coule, on continue. L'ambassade. Ah non, c'est pas l'ambassade, c'est l'ambassadeur. Pardon. Il y a des gardes en dessous par contre. Stop. Access is prohibited to elves. You shall not pass. We are accompanying the ambassador. It's all right. He's not gonna get lost. You'll wait for him there. Quietly. Il y a un peu trop de monde à mon goût. Un peu beaucoup trop. Are very aggressive. Be careful. Ah, c'est une porte. Let's not kill anyone here. Not even Paladin might suspect something. I know. Worry not. I know what I'm doing. Regardez avant d'ouvrir quand même. Hé hé, bah oui, il y a des gardes. Bon là, personne ne me voit. L'ambassadeur est là-haut. Ok. Là pour le coup, faut vraiment y aller à infiltration. Ça roule. Du coup, celle-ci.
Donc il y a ce garde là. Le problème c'est qu'il y a l'autre là-bas. Ce que je peux. C'est coller là. Et mince. Il m'a vu. Bon, en même temps, vu comment j'étais près de lui, c'est pas très étonnant. Et j'ai pas assez d'armes pour être visible. Et ça m'embêterait de cramer cette fiole juste pour ça. Il n'y a pas de... Oh putain. Ah, il y a un garde là. Merde. Sans issue ici. Là, c'est une pièce, d'accord. Ça marche, je sais pas comment j'ai réussi, mais ça a marché. Du coup, je vais me mettre là, je vais sauvegarder celle-ci parce que là, je le sens mal. Ok, c'est pas une porte à déverrouiller, ça va. Et merde. Il y a un trou là, mais... J'y vais comment? J'ai pas de prise. Ah bah sont là-bas les prises. Obligé qu'il y en ait de toute façon, c'était obligé. Hop là. Personne ici. Here are the documents as agreed. But you should take a look at this. It was meant for Aaron. Let me see. What? It's a fake. A fake document signed by me, ordering all the elves to attack this night. If other fakes such as this reach Aaron, war is guaranteed. The excuse that he was lacking to commit a massacre. Obviously, Styx is behind this. It is urgent that I speak to Barriman. Hide in this closet. He must not see you. Okay. Oh.
Welcome, dear friend. I'm happy to be able to clear up some matters with you. Have you heard about the creatures who invaded our jails? Have you any idea of their origin? You see, there are rumors that the elves... Governor, I must discuss certain problems with you without delay. I have got wind of a conspiracy that involves... Oh! Sticks! Oh! No! Either I help the elf by making a diversion and we take off by air, or I get out of the embassy and go straight to the docks. Anyway, I have to find Querberus before Styx does. Ok, super. Du coup, vite fait que je vois, je dois rejoindre l'embarcadère au plus vite. Je devrais voler la relique. Bon, la relique, je sais pas où elle est. Je devrais faire diversion pour nous aider à fuir. Ok, bon. La diversion entre Iris et le lustre. Ok, donc. Que je réfléchisse un peu. Yeah. Il y a un truc qui me interpelle. Non. Je sais pas. Non, je sais pas, j'ai... Non. Du coup, on va sauvegarder. Genre ici. Alors. Maintenant, il faut ressortir. On va suivre le marqueur mécanisme. A priori, c'est ce qu'il faut faire. Vu que là, j'ai un barcadère, ça, c'est la suite. Mais on va quand même essayer de faire la mission secondaire. Ok, là, il n'y a personne qui me voit. Barre-toi à toi. Je ne peux pas passer par là. Où je suis là? Ah, tous les coups, est-ce que j'arriverai pas? Où est-ce que je suis? Je suis perdu là. C'est... Je suis. Ah, je suis au-dessus de la salle, d'accord. Ah, mais du coup, ça me sert à rien. Ça me sert à rien d'être là. Alors, du coup, si je peux pas partir par la... Bon, bah, non, ça sert à rien de repartir par la porte là-bas, au final, en fait.
Bon, c'est clair, passer là. Lui, il va me voir. T'as rien vu, d'accord? T'as rien vu. Faut que je remonte là, moi. Je remonte là-haut. Voilà, comme ça. Et comme ça. Toc. Hop. Là, il y a l'orque, il y avait un garde, je crois, de la dernière fois. J'essaie de reprendre exactement le chemin que j'ai pris pour venir. Pratique n'empêche de mettre un orc ici, comme ça au moins ils savent qu'il y a un truc. J'avoue que c'est une belle technique, les gars. Il manque de peau. Je suis plus rapide que votre orc. Ok, donc là je suis. Bon, en fait, on va nous faire venir au début, en fait. Le lustre, c'est ça, tous les coups. Le mécanisme, il est en contrebas. Embarcadère, mais c'est pas l'embarcadère que je veux. Je sauvegarde parce que là, je sens que ça va être tendu. Où est-ce qu'il est? Lustre, ouais, donc c'est bien ce lustre là, le mécanisme il est en dessous. Je viens de voir ça. Personne, je vais y aller. J'étais monté par là. Du coup, il faudrait que je redescende par là. Ou alors, je fais comme les gens normaux. Je prends les escaliers. C'est encore la solution la plus... Ok. Le mécanisme, tu es où? Allez, retourne faire ta ronde. Voilà, merci. Je fiche pas où il est. Ah bah si, dans la salle.
Il y a deux gardes qui se barrent. C'est bon pour moi, ça? Ouais, il se barre là-bas, d'accord. Ça, c'est bien. Non, c'est pas celle-là que je veux remplacer, c'est celle-là. Ensuite. C'est que si jamais on démarche, les chevaliers vont me voir parce que c'est en pleine lumière. Ouah, je suis allé trop vite. De toute façon, je vais juste vraiment essayer là. J'ai repéré où est le mécanisme. De toute façon, c'est vrai qu'il faut pas que je me fasse repérer. Ça. Et du coup, ça marche avec les clones? Ouais, faudrait que je teste. What? Mais d'où vous? On va recharger une autre sauvegarde du coup. J'aime bien comment je sauvegarde à un point où je m'étais pas fait repérer. Je relance, tout le monde a repéré. Alors. Bon, lui il est villeux. Attends. Ah mais le mécanisme est derrière cette porte. Je vois rien. Je vais éteindre toutes les torches, ça va être vraiment tranquille. Je prends un risque d'y aller normal. Ok, le mécanisme il est là. Ouais, qu'est-ce que tu me fais toi? Ok, ça c'est une porte à clone. Bouge-toi, toi. Bah, je veux bien, mais... Ok, donc moi j'ai ma réponse. Les clones font aussi déclenchent aussi les alertes. Enfin, font aussi game over. Je veux bien rentrer là, sauf que du coup, faut que j'utilise le clone, mais. Entre deux sauvegardes, il s'est acheté une avec lui.
Bon, alors. Où est ce fichu mécanisme? Ah oui, ça va être ça, je pense. Alors ça, c'est pour la porte. Ça, c'est pour la porte. Bon bah ça c'est fait. Ensuite, maintenant j'ai intérêt à me grouiller. Je voulais voir si ça marchait. Bon. Faut que je trouve un moyen de retrouver l'ambassadeur. Voilà, rien à foutre, je crame ma fiole d'ambre. On passe au la phase 4. Alpha, I'm bringing Querberus to you. Be ready to leave. Damn it, I hope I'm not too late. Ah oui, partie 4, il faut que je retrouve Querberus. Ok, du coup, sauvegarde ici. Une sauvegarde là. Et c'est parti. Non. C'est pas ça que je voulais faire. C'est pas vraiment ça. Querberus, il est par là, mais... On va quand même mieux dans cet endroit comme ça avec la vision d'ombre qu'avec la vision normale. Peut-être que si je passais par là, de toute façon je pense qu'il va falloir que je fasse ça, ouais.
Le saut qui est trop court. Bon, déjà en tout cas, ce passage jusque là-bas, c'est bon. Là, il y a la prise. Par contre, j'ai plus de fiole d'ambre. Là-bas, ça me servirait pas à grand chose. De toute façon, j'ai pas 36 000 solutions. Pourquoi je fasse ça? Il y a un oiseau que t'as entendu. Oui! C'est passé. Je suis perdu. Il est pas loin, Corberus, pourtant. Il est 86 mètres. C'est rien. Ah, il y a un chevalier. Non mais... Ah. Je me suis fait repérer. Ah, ça veut dire qu'il faut que je recommence mon... Oh merde. Ah, c'est pas cool. Comment ils m'ont repéré là? J'ai pas compris. Enfin, bon. Du coup, ça a réinitialisé son pattern, tiens. Ouais, c'est bon. Du coup, là, on va... Non! Quand il y a une accroche, tu t'y accroches. Après, il y a une prise, tu t'y accroches. Enfin, je sais pas, mais... On n'a pas fait ça tout à l'heure. Ah,
Je lui vole sa fiole d'ambre. Ça, ça et ça. Ça c'est bon. Du coup, hop. Mais t'es dessus en plus. T'es dessus. Alors fais ton taf. Après, j'ai réussi parfaitement tout à l'heure. Voilà. Ah, il y a encore un truc là-haut. Bon. Non, 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 non. C'est même pas la peine d'y penser. C'est même pas la peine d'y penser. Ah, oh, le chevalier revient. Où est-ce qu'il est ? Il est là. Il descend pas tout de suite. Là, là il descend. Le seul problème, c'est que l'autre là, il va me voir. Il va jusqu'où? Je pensais plus rapide que lui. Mais non. Ah. Alors je profite que le chevalier est là-bas. Que je suis ici. Comme c'est qu'il faut que je monte. Peut-être qu'en rejoignant là-bas. Maintenant, je suis dans mon petit pot. Je suis bien dans mon petit pot. Je vais sauvegarder dans le petit pot. On va attendre que lui remonte. Parfait. Ensuite. Waouh, il y a un trou.
Me dis pas que tu me vois, c'est bien. Le problème, c'est qu'en fait, une fois là-haut, je peux pas faire plus. Est-ce que si je me mets là, il me voit pas? Cool. Parce que là, il y a une attache. What? Il m'a fait peur ce con. Il m'a fait peur cet abruti. Ok, faut que j'aille là-haut. Ouh. Ah, ça passe. Alors. Quaverus est juste devant. Get here. I was in my laboratory and Barryman asked to talk to me. No, that was 10 years ago, my old friend. Can you stand up? Oh dear. I'm in pain. I'm in terrible pain. I'm bleeding. Manfred? Yeah, I'm here. I once knew a Manfred very well. Charming lad. But he's dead, I think. He killed himself. By my ancestors. I think I'm dying too. Although, I don't have the slightest idea of how it happened to me or why. It's stupid, isn't it, not to remember how one died? Who knows? It may be better. It wouldn't have been very nice as a souvenir anyway. You see, my brain is... Yeah, yeah. It's unhinged. Sorry, the one who looks like you, he asked me how to reach the heart of the tree. He was nasty. I didn't have any choice. The spy system I built for Barryman. One of these air ducts leads to the world tree? Yes, of course. Barryman needs to listen to what's happening there. So that was it. The secret that Styx hoped for. I don't even remember Manfred's face. It's strange memory, isn't it? We would like to choose the memories that remain and those that disappear. But who cares, since I shall now join him. Goodbye, my friend. Maybe we'll meet again in another life. Another life? That would be nice. Farewell, Quirberus. Say hello to Manfred for me. Quiverus. Poor old fuck. Maybe your life wasn't so bad. Repeating the same experiment day after day in your stinking lab. Never knowing why or who for. Of course you're better off helping me. Haven't I always said that? Ah, no! Not you again! Leave me alone, Styx. Shut the fuck up! I forbid you to speak in my head. It's unbearable, isn't it? Imagine how I feel, suffering more than 2 centuries of listening to that. All the nonsense that passes through the minds of thousands of idiots. It's like a tide of trash that permanently washes up inside my head. I can't take anymore. But I've come to put an end to this ordeal. And I will owe a part of my victory to you. I admit it. Shut up! I don't belong to you, you hear me? Of course you do. You carry my mark. Oh, by the way, thank you for finally extracting the information I was looking for from the skull of that old half-wit Quirberus. I almost lost my patience. Fuck you, Styx.
I'll have your skin, I swear it! Focus on my voice. Don't listen to Styx. Come to me. Focus. Ah, now it's the fucking elf! Come on! Anybody can just wander into my skull and have a shit? I'm not gonna be able to take this much longer. Makes you want to bang your head against a brick wall. Have courage. I am waiting for you. Eh ben, entre Styx qui a encore, qui a toujours des longueurs d'avance sur nous et qui a tué Quarburus et Rakash qui pète un câble. du coup, bon bah quand le terme planque arrive, c'est que c'est bon. J'ai que ça à faire. Bon, je suppose qu'il va falloir que je descende tout ce merdier. Ça va être pratique. Faut que je redescende tout. Non, mauvaise idée. Très mauvaise idée. On va attendre que lui il se repointe. Je puisse passer dans son dos. Je suis là. Hein. Que vous auriez pas vu, je suis là. Je suis juste plus dans le cadre. Là, il n'y a aucune prise. Oh oh. Non mais. Bon, si lui il reste là, ça va pas être facile. Ok, c'est bon, il bouge. Hop là. Alors je me souviens de ce passage, ça avait été chiant. C'était la mission 2, c'était relou à l'aller. Ça va être relou le. Ça va être relou le retour. Je comprends pas où il faut que je passe. Jamais j'atteins là-bas. Marc, je peux me rendre invisible. Bon, on va tenter. Waouh. Ah non. J'aime dire c'est on a réussi, j'ai réussi, mais non. J'ai lamentablement échoué. Alors... Ah oui, il y a des gardes en dessous, peut-être que je fasse gaffe. Comment je me démerde pour retourner ma planque, moi. Ouf.
J'ai raté mon saut. Et reviens à toi. Je suppose que j'ai fait trop de bruit pour descendre en descendant. Ouais. Faut que j'y aille comme tout à l'heure. Faut que j'y aille comme tout à l'heure. On va attendre le retour de sa ronde. En fait, c'est ce jeu, c'est ça, c'est attendre les bons moments à chaque fois. Voilà. Ok. Porte que je peux pas ouvrir ça. Ah, j'ai peut-être une idée. Ah, j'attends qu'il se calme, lui, voilà. Bon, ce sont les deux sont les mêmes. Toc. Et retourne-toi, que je puisse descendre. C'est bien. Ok, c'est là-bas qu'il faut que j'aille. Il y a la fiole de vie qui me tente là, mais... Vu là où je suis... Eh mince... Bon, le but c'est d'atteindre les prises qui sont là-bas. Le seul souci c'est lui là adossé qui, a priori, voit tout. Il pourrait me voir. Est-ce que je peux pas passer autre part? Genre comme ça. Mais merde. Là, non, là, ils vont monter, ils vont me voir, donc c'est foutu. Ce côté-là, c'est foutu. Enfin, ouais. Donc, si je me mets comme ça, j'attends qu'il passe. Comme ça, par exemple. Oh, une pièce. Du coup là j'ai vu. Ouais, ce qu'il me semblait.
et il y en a qu'un. Ah, c'est lui qui m'a vu, je suis en train de me dire qui m'a vu, mais... Ok, là je peux sauvegarder, je suis tranquille. Oui. C'est un crâne que je vois là-bas. Ouais, il y a un crâne, parce que je me souviens l'avoir vu. Ouh. Ben voilà! J'ai usé toute mon ombre, mais c'est passé! Ouais, j'ai l'ombre. Du coup, quand on empoisonne un ennemi, c'est pas quand on empoisonne la nourriture ou l'eau d'un des gardes, et quand il la mange et qu'il meurt, c'est pas considéré comme un accident. Ok. Mais moi, j'ai réussi à faire l'ombre. Ah, j'ai tué 8 personnes! On est tué tant que ça? Je sais que j'en ai tué 2 en... avec l'eau et le... Ah, j'ai tué 8 personnes. Ah ouais. D'accord, bon bah... Voyons, t'as une mission terminée, les livres de compte c'est bon, la sphère diversion c'est bon, la relique... Évidemment, je les fais pas. Enfin, je les fais en off. Donc... On va aller prendre nos petits points de compétences, déclencher les cinématiques s'il y en a. Ouais, vu qu'il y a un marqueur ambassadeur, il doit y avoir une cinématique qui m'attend. I am sorry that we did not manage to save Querberus. It is a perilous situation, but you can still get there before Styx. I'd like to, but how? Reborn. Aeron is in the process of seizing power. The humans are locking us up inside our own incubator, where the empty cocoon is to be found. Aeron has the key. Take it from him. Free my kin, and we will do everything in our power to slow down Styx. Because only you can defeat him. It is in the Amber. Sounds good, Soothsayer. But why don't you kill him yourself? We have all been too closely linked through the Amber and for too long. We cannot strike a fatal blow against him without him being aware of it. But you, Reborn, he will be unable to listen to your thoughts. I don't even know why Styx wants to reach the heart of the tree. Maybe I'll find answers there. For crying out loud. Very well, I'll free your elves. But you gotta swear that not only will you get off my back, but also that you will never speak inside my head again. Not a fucking word.
I got this burning desire to think my own goddamn thoughts. You have my word. Ok, on s'approche définitivement de la fin. De toute façon, la mission 7 est la dernière mission du jeu. Alors du coup, voilà, le sable, ce que je cherchais. Du coup, je suis full en sable, full en acide, de toute façon, je n'utilise jamais. Full en couteau, ce que je ne les ai pas utilisés. Full en vie, et j'ai une fiole d'encre sur deux. Ok, je passe, vous ai déjà montré les reliques. Il y en a une là. J'en ai chopé qu'une, d'accord. Parce que j'avais commencé à choper le truc en off, mais j'en ai chopé qu'une, a priori. Alors, compétences. Agilité, manque une. Et équipement. Ça, donc pas la peine de tergiverser. Du coup, j'ai plus assez de points de compétences pour ça. Du coup, agilité. Voilà, comme ça, j'ai tout à fond. Et j'aurais vu qu'à déverrouiller ça. Du coup, agilité, j'ai déverrouillé quoi? Ouais, ça, à la rigueur, c'est useless. Et les fioles d'ambre 3, ça, ça va être pratique. Du coup, prédateur, j'ai déverrouillé quoi? Minimum des zones, ouais. Tu as arné. Tes assassins aériens couverts sont désormais discrets. Il est automatiquement invisible lorsque tu contrôles tes clones. Ah! Ça, c'est pas mal. Omniscience, je l'avais déjà. Mettre des fioles. Les fioles de vie et d'encre que tu consommes rechargent tes jauges à fond. Ah ouais, alors ça par contre, ça c'est cool. Mais bon, j'ai pas assez de points de compétences pour ça. Ouais, du coup, ouais, j'ai que la relique de la première... ouais. Que du tuto. Bon. Eh ben... C'est plutôt bien. J'ai fait en deux lives ce que j'aurais voulu faire en un. Bon, en même temps, l'émission était quand même assez hard. J'aurais pas pu tout faire en deux lives, en un seul live. Du coup, j'ai sauvegardé. On va pouvoir s'arrêter. Hop. Du coup, la suite sur Let's Play France. C'est aujourd'hui à 18h. Donc, par contre, je ne dis pas quel est le streamer. Ça sera la petite surprise pour vous. Et quant à moi, je vous retrouve samedi pour la suite de Styx. On commencera la dernière mission. Je pense pas qu'on la finira. Je pense que dans deux lives, je pense que c'est bon. Du coup, merci d'avoir suivi. Je vous laisse avec un peu de musique. Et à la prochaine !